Je vais commencer par un petit préambule, parce que pour moi, il était important. Vous parler aujourd'hui, ce n'est pas courant pour moi. Donc, je suis un peu stressé. Donc, je sors de ma zone de confort. Et c'est justement parce que je sors de ma zone de confort que c'est intéressant pour moi. Donc, dans votre vie d'entrepreneur, si vous restez dans votre zone de confort et que vous attendez que les choses se passent, il ne se passera rien. Alors, bon, moi, je suis un ingénieur, je travaille dans la construction. Hein. En général, les ingénieurs, on n'en parle pas, sauf mademoiselle qui est bien gentille. Hein. En général, on voit que des architectes dans une brique dans le ventre, dans les émissions, etc. Hein. Les ingénieurs, on n'en parle jamais. Alors que c'est grâce à nous, elle a raison. Donc, du coup, hein, je me dis, ouais, ok, comment est-ce que je vais augmenter mes clients, enfin, tout ce que Fabien vous a dit, etc. Donc, je vois ici la présentation de Fabien et tout. Je me dis, ah ouais, le marketing, mais comment est-ce que je vais l'appliquer chez moi, etc. et tout. Alors, je commence à réfléchir et tout. Et donc, je suis les cours de Fabien, je suis ses vidéos. Et puis, je me dis, je vais recentrer mon business. Et je ressens mon business sur la ventilation des bâtiments. Ouais. Hein? Donc, en plus, avec l'histoire du Covid, etc., hein, on a commencé à parler de ventilation et tout. Et donc, en recentrant, je cible beaucoup plus mes prestations, hein, plutôt que parler d'électricité, de sanitaire, d'incendie, etc. Je ressens tout sur la ventilation. Et je commence à avoir des idées, je commence à faire des tests, etc., de marketing sur LinkedIn et tout ça. Je publie et tout. Et puis je commence à avoir des idées, Covid Safe bâtiment, tout le bazar, etc. Et est-ce que voilà pas que les journalistes, ils m'appellent? Je me dis, c'est incroyable ça. Hein? Après, je veux dire, un an de Eagle Academy, ben, j'ai déjà une demi-page dans la Libre Belgique. Vous pouvez taper mon nom sur Internet, vous allez tomber, et il y a des articles de journaux. Puis, il y a les articles de journaux. Et puis, j'étais en réunion, je sors de réunion, je vois que j'avais un appel. J'ai le cabinet du vice-premier ministre qui m'appelle. Je me dis, ah ouais, ça commence à devenir intéressant, hein, c'est incroyable, quoi. Et alors, ça commence à croître comme ça et tout. Et puis alors, j'embauche. Ah ben, j'embauche en plein Covid. Ah ben, je passe à la télévision, parce que je suis un des rares employeurs. Mais j'étais inconnu, hein, tout le monde me disait, ouais, toi, ton bureau d'ingénieur, je ne connais pas. Et qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est incroyable. C'est que après. Je vais vous raconter une anecdote, mais incroyable, mais il ne m'est pas arrivé que cette anecdote-là. J'ai des clients qui sont venus, qui me disent, ah, monsieur Alexandrov, voudrais bien travailler avec vous. Ah bon, je dis, ouais. Mais on se rend compte que vous êtes quelqu'un qui avait vous êtes fort demandé, etc. Ben oui, il m'avait vu à gauche, à droite, etc. Je dis, quand le client dit ça. Hein, qui dit que vous êtes fort pris, que vous êtes quelqu'un de. Ben, je dis oui, hein, ouais, vous avez raison. À ce moment-là, le client, il me regarde, il me dit, dites, monsieur Alexandrov, est-ce que ça vous embêterait si on vous versait un petit acompte à deux chiffres, hein, en milliers d'euros, pour un petit peu vous bloquer, etc. Ben non, moi ça ne m'embête pas. Je vais vous donner mon numéro de compte en banque, là, si vous voulez. Et ça, c'est une anecdote. Et puis j'ai eu d'autres anecdotes comme ça. Et puis après, je me suis dit, bah attends, le truc qu'avant je vendais, je vais dire 30 000 balles en honoraire, bah, pourquoi est-ce que je ne vendrais pas 60 000? Donc, c'est ça qui m'a permis de passer d'une situation, je veux dire, qui était vraiment pénible, pénible pour tout le monde, pour mes amis, pour ma famille, etc., pour moi-même et tout, à une situation où j'ai plus de liberté, où je fixe moi-même le cadre des choses, à devenir tout doucement dans mon secteur, comment dire, une petite référence, hein, ça aide. Et donc, ça change quoi aussi? Ça veut dire aussi que vous recevez le respect des autres. Moi, aujourd'hui, maintenant, on me parle autrement, quoi, je me dis, oh, formidable, etc. Et je vais vous dire aussi autre chose. Mes enfants, qui m'ont connu comme employé, maintenant, parfois, ils me disent,
Ah, papa, ton entreprise, comment est-ce que ça va, etc. C'est comme... Et donc, moi, je me sens, comment dire, avec plus de confiance, plus de liberté, et j'ai l'impression, maintenant, de pouvoir prendre des décisions, et que, même si on me dit un truc, etc., je dis non, c'est comme ça. On vous regarde comme ça, je dis non, c'est comme ça. Et ça, c'est génial, quoi, parce qu'à un moment, vous êtes parti quelque part d'une formation avec du marketing et tout, et puis vous reprenez tout doucement le contrôle de votre vie. Et donc ça, moi, je vous dis, c'est le truc le plus formidable, parce que finalement, l'argent, ça part, ça rentre, ça sort, ça va à gauche, ça revient, vous enrichissez, ou un peu moins, etc. Mais par contre, votre vie, vous n'en avez qu'une, quoi. Et il ne faut pas que, à 80 ans, sur votre lit de mort, le lendemain, vous êtes mort, vous disiez, hey, moi, quand j'avais 40 ans, je pouvais le faire, et je ne l'ai pas fait. Donc, voilà. Donc, merci, Fabien. Merci, Frédéric.